Ben, c'est un label voilà, qui démarre. On s'appelle Think and Feel HD, en anglais dans le texte, hein, parce qu'on est un peu avec une vision internationale. Et c'est la réunion de quatre talents, d'amitié aussi, et d'amour pour le gros son. Moi je m'appelle Philippe Tessier-Ducrot. Tessier-Ducrot, ça n'est pas noble, je précise. Je suis ingénieur du son. C'est comme ça, je te vois là. Ça, tu peux voir avec Laurent. Est-ce qu'il préfère ça que le titre de cette axe-là ? Ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais c'est pas de... La question est aussi est-ce que tu veux voir ? Moi, je suis Raphaël Jonin, ingénieur du son spécialisé en mastering. Voilà, depuis de nombreuses années. Et en ce qui me concerne, Laurent Siron, je suis musicien à la base, un petit peu ingénieur du son débutant, c'est pour ça que j'en profite pour piquer 2-3 plans à Philippe, mais surtout je m'occupe de l'image. Donc moi je suis Jean-Yves Munch, ingénieur du son, un peu touche à tout, cinéma, documentaire, et aussi musique, prise de son, mixage. Je vis aux États-Unis et je suis un peu la branche internationale du label qui... on a choisi de s'ouvrir tout de suite à l'international, de ne pas rester qu'en France ou en Europe. Ou... Mmh. On a une vision un peu plus assez globale, on essaye en tous les cas. C'est d'un mètre, pour voir. Si tu veux, je le fais parce que ça joue à rien. Et... Je pars du principe qu'on pourra retirer tous ces bordeaux. Il y a des autres choses. Déjà, tu es plus à l'attaque dans le réverbéré que dans le cercle. Ça fait moins. Nous, on règle le son déjà hors micro. Moi, je passe du temps à placer les instruments dans un endroit qui convienne aux musiciens, en tant que musicien seul, à l'ensemble des musiciens, de façon à ce qu'ils s'entendent et qu'ils me conviennent moi. Et en général, on y arrive aussi parce qu'on travaille avec des musiciens qui sont de très haut niveau, qui sont capables de s'adapter à un lieu. Tu essayes aussi sur le bois direct pour voir la différence. Enfin, mais dis ce que tu fais, juste pour voir. Ensuite, il suffit simplement de mettre les micros au bon endroit. Et moi, la méthode que j'utilise, c'est de construire la prise de son au fur et à mesure en écoutant ce que je fais, en partant d'un micro qui sera peut-être, je dirais, le plan moyen. Quoi. C'est plus sec à l'attaque. Oui, c'est parce que c'est vraiment... suivant les modes qu'il y a. Mais je trouve que sur le bois direct, c'est mieux sur le bois direct, ça c'est sûr. Ah bah t'as vu, là carrément, t'as un trou. Là t'es sur un nœud. Là t'es pile sur un nœud de banque de grave. T'as vu ? Ouais, parce que j'entends les graves. Ouais, mais là il y a un endroit où il y a un trou à 60 en pleine sache. Ok, t'as l'acoustique. Ensuite je m'approche, ensuite je m'éloigne pour essayer. Mon but c'est d'arriver à proposer à l'écoute quelque chose qui est la précision et l'intimité que l'on recherche, qu'on aime avoir le résultat d'une prise de son de qualité, et en même temps d'avoir l'ambiance d'un lieu. C'est-à-dire un peu comme en classique, mais en étant plus précis, plus timbré, plus proche, la sensation qu'on puisse toucher l'instrument, et en même temps, pas non plus comme dans une prise de son de proximité en studio, sans aucune ambiance derrière qu'on le rajouterait artificiellement. Voilà. C'est-à-dire la profondeur et la précision, c'est-à-dire la quadrature du cercle, les deux choses qui sont a priori antinomiques. Retenons ça. Essayons d'avancer un tout petit peu pour se rendre compte de ce que ça fait. Thank you.
L'idée, c'est de capter quelque chose qui soit extrêmement efficace et extrêmement beau et extrêmement équilibré et qui sonne. Donc en fait, il s'agit de recueillir. Donc la meilleure solution pour que quelqu'un joue bien, c'est de le mettre dans un endroit où il va bien jouer. Ça paraît bon. Donc l'idée, c'est déjà des lieux qui ont une acoustique qui soit excitante pour le musicien, c'est-à-dire qui propose un retour. En fait, finalement, on utilise des lieux qui ressemblent un peu à des lieux qu'utilisent des musiciens classiques. Et de mettre les musiciens ensemble, proches, sans casque, de façon à ce qu'ils soient obligés de tendre l'oreille pour s'entendre, ou en tous les cas, qu'ils puissent s'entendre de façon à produire des nuances naturelles. Ce que le micro aime. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas par compensation. On ne cherche pas à mettre un micro plus proche, sous prétexte qu'il faudrait aller capter quelque chose qui n'est pas équilibré. Bon, déjà, le travail qu'on envisage, la façon avec laquelle on envisage le travail, l'enregistrement par rapport au label, est assez spécifique. Hein, donc, moi, je n'utilise pas forcément les mêmes méthodes que celles que j'utilise quand je suis sur un travail plus traditionnel de fabrication d'un disque, un projet discographique. Le label, il est né d'une idée simple, enfin de trois idées simples. Le constat de la baisse de qualité au niveau du son, avec on a beaucoup parlé de MP3. Nous, on est des amoureux du son et on est des mélomanes. Alors ça nous embête. On a décidé de faire l'opposé, c'est-à-dire de taper la haute qualité en utilisant les technologies d'aujourd'hui. Mais c'est aussi une deuxième raison, c'est la perte de vitesse de tous les systèmes de distribution traditionnels qui sont dans la recherche de nouveaux modèles économiques et qu'ils n'ont pas encore trouvé. Donc moi, ce que je voulais, c'était m'affranchir des distributeurs classiques dont je ne suis pas satisfait du travail et qui en plus prennent 50%. Et aussi, il n'y a plus de magasin de toute façon, il y a l'abandon du CD, donc il fallait trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'on distribue par le site internet qu'on est en train de monter. Et il y a deux autres raisons qui nous ont poussé à monter ce label de cette façon-là. La troisième raison qui est très importante, c'est pas de compromis. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire de la qualité, donc on met les moyens, on prend plusieurs jours pour enregistrer des artistes, on met énormément de moyens de son et donc de vidéo au maximum de ce qu'on peut. Et on fait pas de, il n'y a pas de compromis, c'est-à-dire qu'on fait vraiment maximum de qualité, et en prise de son et en mixage. On met tout en place, en tous les cas, pour qu'ils puissent s'exprimer au sommet de leur art, leur musique. Hein. On n'est pas contraint par une lourdeur, on est très léger. On propose toute la chaîne, de l'enregistrement, mixage à la distribution, c'est tout géré par nous. Et ça nous permet de faire les choses comme on l'entend, quoi. C'est vraiment avec naturellement le talent des musiciens avec qui on travaille. On se met à leur service et on leur propose le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de prise de son et prise d'image aussi. On n'est pas tributaire des systèmes de distribution traditionnels de la musique. Donc on n'est pas tributaire, par exemple, des problématiques il faut avoir absolument le niveau qui déchire pour passer en radio. Nous, de toute façon, a priori, peut-être qu'un jour on passera en radio, mais si un jour on passe en radio, ça voudra dire que les radios se sont intéressées à la qualité technique que l'on a. Donc on ne sera pas obligé de descendre notre niveau pour nous adapter au leur. Par contre, on a une réserve dynamique totale, ce qui fait qu'évidemment, on ne correspond pas aux critères traditionnels du disque, où on est obligé quand même de fournir un matériau qui est légèrement écrasé, légèrement compressé dans la dynamique. Notre façon de travailler est très basé aussi sur le côté sonique, donc respect maximal des données initiales qu'on peut nous donner, que les musiciens puissent nous donner, quoi. Donc on évite les artifices qui peuvent intervenir après pour satisfaire des choix commerciaux, plus commerciaux, quoi. L'idée de garder la source initiale, qui est quand même
à son maximum de qualité. C'est aussi en correspondance avec le choix des artistes que l'on fait, qui sont, alors ça va peut-être en surprendre certains, mais j'ai remarqué que c'est effectivement, c'est souvent d'abord des gens qui sont capables de jouer un morceau du début à la fin. Ça paraît drôle comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Deux, que l'on ne passe pas systématiquement dans des systèmes qui permettent de les faire jouer juste pour les chanteurs ou en place. On ne recale pas, mais parce qu'on a un choix de casting qui est fondé sur des artistes exceptionnels, qui sont des vrais artistes. On est sur des gens qui sont inscrits dans une éternité de qualité, hein, et on les connaît depuis longtemps, et on sait pourquoi aussi on travaille avec eux depuis longtemps, déjà même avant la naissance du label. Donc il y a une confiance qui est dans les deux sens. Donc voilà, on n'est pas là pour rattraper, on est là pour capter la quintessence de leur talent qui est existant. Ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir une maison de disques pour avoir du talent, contrairement à beaucoup d'artistes ou contrairement à ce que croient beaucoup de maisons de disques. Ils n'ont pas besoin de nous pour exister. La longueur de la note de la grosse caisse, peut-être sur la résonance. Il peut durer peut-être un poil plus. Quand Philippe et Raphaël m'ont proposé de faire des images, initialement c'était faire des images pour aider le blog, etc. Simplement, il fallait tout filmer et mettre en scène à la fois l'artiste et la prise de son qu'il y avait autour. Donc l'idée, c'est que la vidéo se greffe après que Philippe ait organisé son travail. Et bien évidemment, on s'arrange pour que les images puissent être quand même largement visibles. On travaille de plus en plus quand même avec une égalité d'importance. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Et les musiciens sont de plus en plus sensibles, pardon, je t'interromps, au fait que nous filmions. C'est-à-dire qu'ils considèrent aujourd'hui être concernés autant par l'image que par le son, alors qu'au début, ils considéraient l'image plutôt comme un support au son. Mais on commence à travailler avec des musiciens qui aujourd'hui s'intéressent à tous les types d'esthétique, donc sonore, visuel. Donc on est vraiment... s'il faut que je déplace un micro pour que Laurent puisse aller aussi loin que possible, on va trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est ça. Mais c'était intéressant parce que justement la vidéo, petit à petit, est devenue importante. Et notamment, pourquoi ? Parce que, en ce qui me concerne, je voulais qu'on puisse vraiment capter la prestation du musicien. C'est-à-dire que dans ce que je me dis moi, dans l'absolu, j'ai envie qu'il y ait une non-réalisation, c'est un grand mot, mais qu'on voit au plus le musicien et l'origine du son, c'est-à-dire ce qu'il fait, comment il le fait, etc. Et pas qu'il y ait des effets vidéo et que ça fasse joli, etc. Bien sûr, on essaie de travailler l'image pour qu'elle soit jolie, mais le plus important, c'est le musicien dans son interprétation, dans sa performance et dans le cadre d'un enregistrement. Et j'ai envie que le spectateur, le téléspectateur, puisse se dire « Oh, voilà, j'ai regardé la vidéo, j'ai écouté le son, j'avais l'impression d'être en face du batteur, à côté du pianiste, etc. » Essaie d'obtenir aussi, c'est pour ça qu'on utilise des technologies de haut niveau en termes de son, de définition, parce que c'est grâce à ça qu'on peut arriver à capter une émotion, une proximité, des timbres. Et ça, on le trouve aussi avec l'image, ça permet d'être avec le musicien quand il crée. C'est une approche très, très neutre, mais vraiment intéressante, très proche en tous les cas. On essaye d'être dans un registre émotionnel vraiment proche du musicien et de la création.
que ça monte en transe. Pour que ça, tout d'un coup, il y ait une variation au niveau du timbre. C'est juste... Mais c'est super, hein. C'est super subtil, mais c'est que tout d'un coup, tu ouvres au niveau du timbre, entre le tom-back, tout en restant avec les mêmes frottements sympathiques. Several mutual friends have already recorded with Philippe, and he has a big reputation. But I think it's a sort of a coincidence of me wanting to do a solo performance or recording, and Philippe also wanting to record such a project. We're recording in Temple Saint-Marcel. So it's a temple, a church, it's a small chapel, stone wood floor, and some wood paneling. So the sound is beautiful, but it's a church. So for the drums, that's not always an easy option, you know. I'm used to doing recordings in studios that are quite, have a dry acoustic. And so this is, it's not the first time I've played in a church. I've played several times, perform concerts and recordings. So the acoustic is different, and I like to play with the acoustic. I can't play against it, so I have to play with it. So that means I have to modify the way I play a little. Seul, on comprend tout de suite l'histoire. Parce qu'évidemment, toi, tu es beaucoup plus dynamique que lui. Donc évidemment, il y a une partie du discours qui échappe, et donc on comprend plus certaines choses. Je me demande si c'est pas intéressant que tu l'essayes au ballet, et juste pour que, et que tu laisses s'aérer un tout petit peu pour que le cerveau comprenne le discours tu vois ce que je veux dire, pour qu'ils se marient plus ensemble. Qu'est-ce que t'en penses ? Well, obviously he places the microphones. I haven't heard the sound, but I'm, you know, convinced that the sound is going to be great. I was using headphones only for the electronic part of what I was doing. So I'm not using headphones. So in a way, I'm just playing with the acoustic that I hear, you know, naturally. I'm not using the acoustic that I'm hearing through headphones, which is sometimes what happens in the studio. You know, you have compression or you have reverbs and things like that. So I'm purely, for this recording, it's purely acoustic and natural.
The recording today is improvised. Everything is improvised. So again, of course, it's to do with the situation, with the new people I meet today, the small audience, you might say, of technicians and friends, and this situation in the church, the lighting. We're also filming, so of course that plays a part. So it's all improvised. So all the music is improvised, and the pieces I did with records, those are also improvised. I've never done that before with those tracks, and the ambiences that Laurent was passing to me as well through the headphones, that was also it was all first reaction. So that's one thing I'd like to say about the recording today. It's completely spontaneous. Of course, I have to hear the result, but my impressions are, it's good, yeah. There's a little bit of editing to do, but yeah, I was very happy. Qu'on est un label humble quelque part, c'est-à-dire c'est pas nous qui nous mettons en scène, on est là pour faire en sorte que des artistes de haut niveau, qui sont parfois sur des chemins artistiques qui sont pas forcément ceux qu'on trouve dans les radios commerciales, il y a aussi cet aspect-là, quoi. On a aussi une démarche, je dirais, presque politique aussi, on revendique le fait d'être différent, et on le fait avec humilité, on n'est pas là pour nous mettre en avant, on est là pour mettre à disposition de notre savoir-faire, et mettre en avant les artistes, mais avec un dispositif qui les respecte.